un petit peu de face. Pour cette productrice de fromage corse, c'est une première participation au festival culinaire et ses produits partent déjà bien. J'ai vendu les fromages de chèvre, de brebis, les pâtes, le brooch. Ici, voilà, je note réservé, ce qui a été payé, tout ça. On a acheté du brooch choufré de brebis et du cœur de fromage empâté. J'ai acheté du fromage de brebis, très doux, succulent et parfait pour les apéritifs. Le produit phare, le brochu. Il est à l'honneur pour cette 14e édition, une vitrine exceptionnelle pour les exposants dont les produits sont travaillés par les plus grands chefs. Par exemple, Frédéric Anton, qui a fait une raviole de brooch et de zeste de cédra. Philippe Conticini, un calisson aussi, au cédra, avec du brooch. Pierre Hermé, le brooch comme un cheesecake, avec des agrumes. Il est partout, le produit est partout. Des grands noms, mais aussi des figures médiatiques cuisinent le brooch et le cédra des exposants. Ici, un finaliste de Top Chef, aidé par quelques jeunes amateurs. Et là, je vais faire une tarte au brocho et au cédra. J'ai pris la poche de brooch, j'ai fait des points. Après, j'ai pris la poche de citron, j'ai fait des points. J'ai pris le crumble, je l'ai déposé dessus. En plus des petits et grands de la cuisine, plus de 15 000 visiteurs flânent entre les stands chaque année. Une occasion en or pour se faire connaître.